Naftali ben Shlomo. Attends. Voilà. Nous sommes dans Shabbat, Perekshmini, Daf, P, Amud Alef. Alors, Shabbat, chapitre 8, page 80A et B. Nous sommes à Shaava Kedeliten, Alpine Kevdan. Alors, c'est là-bas, c'est à peu près une dizaine de lignes avant la fin. Secours est dédié deux fois Moshe Maurice Marciano Ben Sarah, Moshe Ben Rachel Amselem, Shlomo Raphaël Béni, Shem Shachlor et Fouachema, maintenant ensemble, le Tocholi Amou Israël, et les Iloué Nishmat. Rabbi. Albert? Albert? Naftali ben Shlomo. Naftali? Oui. Naftali ben Shlomo, c'est mon père. C'est un nakhala ce soir. Naftali ben Shlomo, c'est mon père. Merci. Et le nishmat, quand vous voyez, Happy Sess. On est à tes gosses. Dei lui nishmat Mordechai Marat Hamati. Mordechai Ederi, qui était dans le Pisset. Quand tu vois à Pisset. Oui, ok. Bon, maintenant, c'est Dei Lula de Yaakov de Hasiram. Okay. Et Dei Lula de Rambam. Ouais. Le temps. Et bien, c'est mieux pour étendre moi des tzadikim tikaber beseva tova bête de manière rétroactive et tav de tes bêtes c'est tikaber bête beseva tête tova tikaber beseva tova tu ce qu'a dit à quand je crois quoi Abraham Avinu s'accomplit dans Abraham, s'accomplit dans les tzadikim. Vous êtes à deux pour un livre. On est bien, Rabbi, merci. Donc, on est là. Abba, kedel iten api nekef katan. Si on fait sortir de la cire Shabbat par inadvertance, sans faire exprès, ou sans savoir que c'est interdit de porter, quelle est la quantité minimale requise pour le Hiyuv Hatat, pour être condamné à porter un Hatat? On nous dit Shaava la sir kedeliten api nekev katan pour boucher un petit trou. La Braïta dit que Tana kedeliten api nekev katan shel yain afin de boucher un petit trou de vin. Que ça veut dire un trou de vin, un trou dans un vase où il y a du vin. Il n'y a pas, c'est pas du tout, c'est pas un flacon où il y a de l'huile ou du miel, qui sont des liquides aussi, sont des liquides, mais le vin est plus liquide que ces liquides. Alors, si le liquide sort de ce trou, ça veut dire que n'est pas assez grand, puisque le liquide est tellement fluide qu'il peut passer par un petit trou. Alors on va mesurer avec le trou qui laisse passer le vin et non pas d'autres liquides qui sont plus épais. Ça va? Est-ce que c'est Mahmir
Ou c'est Mekil? Mahmir. Qui a dit? Jérôme. Mahmir. Jérôme. Jérôme, c'est bien. Voilà, c'est, il faut toujours... Devancer. Fuser. Bon, alors c'est sûr que si on devait mesurer la cire, la quantité de cire par un trou qui laisse passer le miel, ça va être une quantité beaucoup plus grande. Et maintenant que la quantité requise pour boucher un trou qui laisse passer du vin est une quantité réduite, minime, par rapport à l'huile et par rapport, et surtout par rapport au miel. Pourquoi j'ai dit que ce sont des liquides? Parce qu'on sait que il y a sept liquides, c'est Yad, Shahat, Dam. Yad, Yud, Yayin. Dalet, des vaches, ça va. Shahat, Shemen, Et, Halav, Et, Tal, la rosée. Dam, Dalet, c'est Dam, et même Maïm. Yad, Shahat, Dam. Ce sont les liquides qui quand elles imbibent un légume ou un fruit, le légume et le fruit, ils sont aptes à recevoir la touma, être mekabel touma. Devek, כדי ליתן בראש השפשף. Devek, c'est la colle. Combien de colle faut-il sortir? Pas la quantité minimale pour celui qui la transporte, sans savoir que c'est interdit ou il ne sait pas du tout que l'interdiction est à propos de ce shiur. Le shiur est que des liten berosha shafshaf. Shafshaf, c'est un piège. Un piège que l'on fait pour les oiseaux, les volailles. Qu'est-ce qu'il faisait? La Braïta, elle dit Tana, que des liten berosh shafshaf, c'est berosh kane shel tsayadin. Afin de mettre cette quantité berosh shafshaf sur l'extrémité shafshaf du piège. C'est berosh kane qu'on met à la tête, un canet d'une canne, canet, tel sayadin, c'est-à-dire un bâton de sayadin, des peintres. De pain. Ou tsayadin, c'est des, aussi c'est des, ceux qui
une canne de, à pêche aussi, une canne à pêche. Oh, il a son péché. Sayadin, là-bas c'est Sayadin avec Samar. Et ça, c'est Sayadin des pêcheurs. Il y a une canne, et à la tête de la canne, on met une planche. On colle une planche. Et au bout de la planche, on met assez de colle. Et on met un peu de graines. Quand les oiseaux viennent pour manger la graine, ils mettent une patte sur la colle. Et quand ils veulent s'envoler, ils ne peuvent plus s'envoler parce qu'il y a la colle. Et alors, il faudrait mettre assez de colle pour que l'oiseau ne puisse pas du tout repartir. Ça va? Mais pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut chasser des oiseaux. Ah, donc pour les apprivoiser et tout ça? Les apprivoiser, non, il y a des oiseaux qui sont mangeables. Ah, d'accord. Ça va? Oui. Quand on connaît l'humanime de Kashrout, de la volaille. Est-ce que vous les connaissez, les humanim? Non. La Torah n'a mentionné que les humanim des oiseaux qui sont interdits. Comme la cigogne. Non? Chassida, je comprends. Moshe, suis ça. Ta ma fréa ayoum. Lama. Yesh rash, az anachnu sogrim ta delet. Rehoka hayni meni. כן, חיל הרבי, כן. לא שמעתי, הילדים עושים רעש פה, אז סגרתי את הדלת. אני יודע. מניב דזו הזו. לא פרשת שמיני. נקר קושות דקסטאודינר. הגמרא דיר, לא מסכת חולין. Est-ce que mon cher Abel, il a passé sa vie à chasser les oiseaux, à chasser les animaux, et, ou bien dans un laboratoire pour apprendre toutes les caractéristiques de tous les animaux, toutes les volailles, tout. Il dit, est-ce que Moshe Rabbeinu était un chasseur? Comment il a su? Et puis, ce que vous avez dans le Midbar Sinaï, vous ne l'avez pas ailleurs. Comment il peut connaître tout ce qui se passe dans le monde entier? Le chemin que Akadosh Baruch Hu lui-même, il lui a dit, ceci vous allez manger, ceci non, vous n'allez pas manger. Akadosh Baruch Hu lui a montré exactement le cas. Les poissons, c'est la même chose. Il lui a dit les caractéristiques. Mais pour les volailles, halakha est que les volailles permises, autorisées par la Torah, sont plus nombreuses que les volailles non permises. Alors, qu'est-ce que la Torah a mentionné? Elle a seulement mentionné les noms. Ouais. Les noms permises. Pour te dire, en dehors de tout cela,
C'est permis. Ça veut dire, si on connaît quelque chose, c'est que le net, l'épervier, on sait que l'épervier, la Torah l'a interdit. Non, on sait que le nécher. Nécher, l'aigle. L'aigle, on sait que mais c'est pas assez. Le Rambam, alav shalom, il dit comme ça. C'est la Hiloula ce soir. Comment ? C'est la Hiloula du Rambam ce soir. Ce soir, oui, on l'a dit. C'est la... Ah, ok, excusez. Non, c'est la Hiloula du Rambam, je voulais dire. Le Rambam, on l'a dit. On a dit que Rabbi Yaakov Aver Sera aussi. Amen. Nous avons ici Rambam et Rabbi Moshe Ben Mordechai. Voilà. Le Rambam à la Shalom, il dit, malgré tout, il faut qu'il y ait une Kabbalah, que la volaille qu'on veut manger, elle est cachère. Une Kabbalah, ça veut dire qu'on a une tradition. Et la tradition, il dit comme ça, il mentionne dans ce langage, dans cette expression. Merabbi Kabbalah, Merabbi Hatsayad. Merabbi Hatsayad. De mon maître chasseur, le chasseur. C'est une Kabbalah comme quoi l'oiseau, cet oiseau, il est permis. Et moutard de le manger. Malgré tout, Baou les Hamim, ils ont dit quelles sont les volailles qui sont permises. D'abord, il y a Korkebano Niklaf, le gésier, il y a une peau qu'on enlève facilement. Sur le gésier. Finalement, quand on le met sur une. Quand il est sur un fil, il met les pattes comme ça. Les espaces comme ça, avec des intervalles. Pourquoi ? Parce que une autre attitude n'est que c'est un prédateur. Et l'oiseau prédateur, c'est un oiseau qui est interdit. Bon. Mais malgré cela, même s'il y a tous les simanim, quand on ne connaît pas la volaille, il faut la Kabbalah du maître. Un oiseau pareil, on le mangeait. Étant jeune, on savait quels sont les oiseaux haramis qui ne sont pas permis et d'autres qui sont permis. On avait cette Kabbalah. Alors, il dit, Debek, la colle et la quantité qu'il faut mettre sur la planche que l'on attache au bout de la canne ou du roseau qui sert pour les tsayadines, pour les pêcheurs, pour les chasseurs. Et on met cette planche comme un piège pour les oiseaux. Et au bout de cette planche, on met beaucoup de colle afin que l'oiseau, quand il vient picorer les graines qu'on a mis, ses pattes collent et s'attrapent à la colle et il ne peut plus s'envoler. Et c'est comme ça qu'on attrapait l'oiseau. Alors, ce débec, cette quantité qu'il faut pour cette planche et la quantité requise pour l'interdit,
si jamais on est sorti avec sans savoir que c'était interdit, il fallait apporter un khatat. Khatat. Dans la Mishnah, on a lu les fêtes végofrit, qui dès la sot nekev katan. Les fêtes, c'est le goudron, gofrit, et le. Comment on appelle ça? Le soufre, qu'aider la saute neckel pour faire un trou. Je n'ai pas trouvé comment faire le trou avec ça. Et je vous lis la Mishnah, je vous lis la Braïta, telle que je n'ai pas d'explication. Vous avez une explication là-bas. Et il y avait Non, mais je me suis posé la question de savoir si le goudron ou le poids, la poix plutôt, le soufre, ça peut brûler une surface et donc provoquer un trou. Il chauffe, si on le dit, il est capable de faire un trou. C'est chauffé? Non, c'est pas chauffé? Oui. Ah bon. Préalablement chauffé, je ne sais pas, j'avais l'impression. Si on laisse le soufre sur un métal tel que le cuivre, il risque de faire un trou. C'est vrai, c'est comme rouiller. Oui. Pour un métal. Oui. Le goudron. Sur le cuivre, certains y font le cuivre. Moi, j'avais une pointe là-bas en Israël. Ils ont laissé une savonnette avec du soufre, des trucs comme ça. En quelque temps, il y avait un trou. Il y a un peu de. Écho. D'écho. Yaakov, mais je l'ai fait à Arscroll. Dans la scroll, il n'y a rien de pour dire comment il prend le trou. Eric, vous avez quelque chose là-bas? Eric. J'ai le même commentaire que Michel. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de commentaire sur cette partie. Il y a une seule chose qui est mentionnée quand même au niveau au l'astérix 35, mais là, il parlait déjà du mercure. Non, c'est pas. Ouais. C'est la Baraita. Non. Astérix 30, regarde le 30. 30. Bah, je vous propose que ça veut dire la sot nekev. Ça veut dire que. Faire un trou. C'est ça. Mais faire un trou, quand on veut faire un trou qui est fait sans bavure, on utilise soit le soufre, soit Zefet. Et on peut comprendre, parce que le Zefet, vous me suivez, oui. Un trou qui est bien fait, c'est un trou qui ne se referme pas. Ici, on fait un trou. Imaginez un peu, avant, on n'avait pas du tout les instruments que nous avons aujourd'hui, les outils que nous avons aujourd'hui. Avec une chignole, vous faites un bon trou.
il va de part en part et il ne laisse pas de bavure, il ne risque pas du tout de se reboucher. Mais quand on utilise, moi, l'agneau dati, c'est ça. Quand on veut utiliser le gaufrite, c'est fait pour faire un trou, c'est pour éviter que ce trou se rebouche. C'est pour ça que j'ai pensé que si c'était chopé ou que c'est préalablement chopé, ça peut causer une ouverture qui ensuite ne peut pas être fermée. Okay. Ici il passe pour boucher un trou. C'est comme ça qu'ils expliquent ça ici. Noragim lishmor kaspit kesef hay beklit sar ve'aroh kmo kanim ושותמים את פיו בזפת ובגופרית. וכשרוצים להוציא מעט כספית, עושים בכיסוי נקב קטן, וחוזרים ושותמים את הנקב באותו חומר ממנו עשוי הכיסוי. Donc c'est plus pour boucher que pour faire un trou. Et on fait un trou dans ce bouchon-là, et après on le rebouche encore avec ce matériel. C'est ce qu'il dit. Tu comprends? Ah ben, là-dedans, la Mishnah, elle a changé de langage. Regardez, Sha'ava kedeli ten alpi nekev katan. Ten, c'est pour boucher. Et ici, kedela asot, pour faire. Ben oui, pour faire. אבל פה בהסבר, ידי לסתום את הנקב הקטן שנוקבים בכיסוי של גנה, המחל כספי, שמוציאים ממנו מעט, ועכשיו חוזרים לסתומו, כדי לשמור את הכספי שנותר עבו. לעשות זה לסתום. ככה מסבירים פה. מה שדיע לו קונטר? פרדון? שדיע לו קונטר. Là, je ne sais pas. Le nekev de lui-même, il va se reboucher. Alors, là, ce nekev katan, pour éviter qu'il se referme, on met du zefet ou du gofrit. On le met, comme ça aussi, si on le met. Mais une fois qu'on a sorti ce qu'on veut sortir de ce canet, on remet le zefet ou le gofrit pour le boucher encore. Pourquoi le boucher? Pourquoi faire un trou? Parce qu'il a pris la quantité, ce qu'il explique ici, Rabbi. Pourquoi faire un trou pour le boucher? Parce qu'il a pris la quantité de ce canet, de ce qu'il dit, la quantité qu'il avait besoin. Il a fait un trou. Ensuite, il a pris la quantité qu'il voulait et il remet la casse-pédée, il remet encore. Pour prendre quoi? De l'argent. Pour prendre de l'argent? Un kéli qui contient de l'argent liquide ou de la kesef hay amrim po. C'est un haran. D'avec kesef hay. Oui. Oh, ça va. J'ai pas kesef hay. Ils ont dit kaspit, mais ici, ils traduisent en parenthèse kesef hay. Non, je n'ai pas. Non, je sais, mais ici, on va dans la. Rashi, dans la Mishnah, peut-être. Oui, Rashi, ils disent aussi, selon... Rashi, dans la Mishnah, Rashi, il dit la Zotnekev Katan. Quel est chez notre Nimbo Kesef Hay? Les effets au Begoufrit, le Nokev Beto Hastima, Nekev Dak le Otsibo. C'est ça. Mais c'est toujours Nekev. Oui, bien sûr. Pas Nekev. Il y a toujours un Nekev, et de ce Nekev moitié, on ne le bouge pas. Mais quand il a fini de prendre la quantité qu'il voulait, il le bouge. Non. La fiole. Et... Oui, allez. Le commentaire ici. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un petit trou qui est bouché avec du soufre, et à chaque fois qu'on veut prendre du liquide, on enlève ce bouchon qui a de soufre, et ça fait sortir le liquide. Eh bien, le commentaire ici nous rappelle qu'il faut retourner à la page 78. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Ah oui, hein? Oui. Ok, parce que c'est ça que j'ai retrouvé. À quel moment tu as dit que c'est Fraï et Arachi?
Voilà. Qui a dit qu'elle s'effraie? C'est la petite fiole qui contient du mercure. Voilà, son ouverture était du soufre et on y faisait un petit trottin avec eux. C'est pas du mercure, c'est de l'argent. De l'argent qui est. Haï, ça veut dire peut-être liquide. Le mercure, ça a l'air. D'un liquide. Hein. Liquide, oui. Alors, il appelle Kessef Haï, c'est le mercure. Mercure, c'est pas Kessef. Oui, mais il a cette, il a cette... la couleur de l'argent. Ça a la couleur de l'argent. Oui, c'est pas la matière. C'est la matière, oui. C'est Kessef Haï qui s'appelle mercure. C'est le mercure lui-même, Kessef Haï. C'est pas du vrai Kessef Haï. Oh. Harsit. Que dès la saute picour. On a dit que la brique qui est en harsit, qui est en argile. En argile, on la casse et on la rend sable. Et ce sable de Hérès, cette argile, qui de la sotpikour, faire une ouverture, une pâte, ou faire pikour. Pikour, c'est-à-dire l'embouchure, la bouche, l'ouverture. De cours creusés, cours creusés. Et cours creusés. S'il vous plaît. Rabbi Yehuda Omer kedei la'asot pitput. Rabbi Yehuda il dit c'est pour faire pitput. Pitput, c'est-à-dire un trépied sur lequel on met les fétous, les marmites. Il y a trois pieds. Il y a du... Comment on appelle ça? Il y a du feu. On met la rapace sur le trépied. Que des rapaces sur le trépied. Alors, Tanakama il dit que des lassos picour pour faire l'ouverture d'un creuset. Et Rabbi Yehuda il dit que la saute pitput. Un trépied. Balag Mara dit qui est plus grand maintenant? Quel est le shiur le plus grand? Qui est Mahmir, qui est Mekil? Pikur Mahmir. Hein? Pikur Mahmir. Pikur, c'est la Humra, c'est moi. Le pitput, c'est beaucoup plus grand. Et Rabbi, hein? Le pitput est beaucoup plus grand. Le pitput est beaucoup plus grand. Le pitput. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, le Yehuda Mekiel. Pitput, c'est plus grand. Alors, on dit les mêmes rages sur le Rabbi Yehuda n'affiche. Beaucoup. Là, on comprend que le shiur de Rabbi Yehuda est plus grand. Plus grand. Ça va? C'est une question. Mm-hmm. Est-ce que c'est bien ça ce que tu veux me dire? Est-ce que c'est bien que Rabbi Yehuda a un shiur beaucoup plus grand? Haïkaïmalan dit shiura de Rabbanan affiche. On a déjà un principe établi, pas, que le shiur de Rabbi Yehuda est de Rabbanan est beaucoup plus grand que celui de Rabbi Yehuda. De là, il y a la question. Alors, il dit, Ditnan, comment on sait que le shiur de Rabbanan est plus grand que celui de Rabbi Yehuda?
Maintenant, Rabbi Yehuda Omer. Quel délire. Tol Hemenu Middat Minal Lakatan. Là, il faut que vous alliez. Pour retourner à la boucle. Au tamis. Je pense que c'est en bas de Amoud Chet, Amoud Aleph. De Aïn Chet, Aïn Chet, Amoud Aleph. Je pense. Ouais, 78. Léo. Rabbi Yehuda Omer. On a dit Amoud Chehevel, que de la sotte osen la coupa. Gemi, le caoutchouc, que de la sotte tlaï la nafa. Une tlaï, c'est comment on appelle ça? Un patch. C'est zéro. Comment on appelle le patch? Patch en anglais, ça. Tlaï, c'est un rapiècement. Rapiécé. Une pièce. La nafa. Velakbara. Et puis, on a dit qu'il y a tout le monde qui date maintenant la katane. C'est-à-dire le chaussure d'un petit. C'est quoi? C'est le fil. Ça, c'est le fil que. C'est le gemi, ça va? Pour faire. Alors, c'est quoi le pied d'un katan? C'est petit. Oui. C'est moins que le tlaï. C'est moins que le tlaï. Alors, on a. Et puis, il dit. Rabbi Yehuda Omer, que d'elle, il tolle les menus, il date mena la katan. Alors, il dit, Emma, que d'elle, la soude pitput, qui raquetana, afin qu'elle, on a dit, harsit, que d'elle, la soude pour choler, pitput, un trépied, le qui raquetana pour un brasier qui est petit. Donc, c'est plus petit. Plus petit que le corps. Que celui des Rachamim. Oui. Donc, Rabbi Yehuda, c'est lui qui est Mahmir. Rabbanan Mekirim. Je répète ici. Il dit Hasid Kede la Sot Pikur. Et Mimrad Shoura de Rabbi Yehuda n'affiche. Ça veut dire que le Shoura de Rabbi Yehuda est beaucoup plus grand que celui de Hachamim, c'est pas possible. Hakaimalan Shoura de Rabbanan affiche. Nous avons déjà établi le principe, la règle, comme quoi le Shiur, la mesure de Hachamim, est beaucoup plus grand. Ditnan, Rabbi Yehuda Omer, Kedeli Tolemenu Midat Minal Lakatan, du Gemi. C'est de quoi prendre un échantillon pour la mesure d'un pied, la longueur d'un pied katan, n'est-ce pas? Et ça, c'est moins que le... Que les hachamim. Que les hachamim. Alors, il dit, non, Emma, kede la soud pitput, kira ketana, afin que, avec ce sable, on va le diluer, on va choler, choler pas faire, choler seulement un trépied d'une kira ketana. Tobin,
Et la sourde ici, la sourde, c'est extraordinaire. C'est comme si c'était pour souder. Exactement. Mm-hmm. Ce qu'il dit ici, pour remplir un CD Katan Bakir. Voilà, souder. Oui. La sourde. La sourde, oui. Je ne réagis pas. Je les marque. La soude, pour souder des bécaïmes qu'il y a quand il y a des fentes. Des craques, ouais. Alors, c'est du plâtre. C'est du plâtre. Souder. Et la soude, c'est souder. Et... Alors, qu'est-ce qui reste aux Français? Molière. Et Charles Aznavour, voilà ce qui reste. Et Victor Hugo. Et Victor Hugo, il a... Ah, lui, il a donné les lettres de noblesse aux Français. Ouais, je sais que c'est un de vos auteurs préférés, monsieur le Rabban, c'est pour ça que j'ai dit ça. Oui. Préféré. Pas un auteur préféré, c'est un auteur qui... Des fois, il est indigeste. Parce qu'il est, c'était un auteur très engagé politiquement. Ça, avec ses défauts, avec ses défauts et ses qualités, bien sûr. Pas ses défauts, c'est... L'on voulait à Napoléon III. C'était un ennemi de Napoléon III. C'est lui qui a dit, s'il n'en restait qu'un seul, je serais celui-là. S'il restait un seul contradicteur opposant à Napoléon, il serait celui-là. Quand même, grandirait l'objection publique à ce point d'adorer l'exécrable trompeur. Ça, c'est Victor Hugo. Comment ? Contre Napoléon, il a dit ça. Qu'il a dit. Quand même grandirait l'abjection publique à ce point d'adorer l'exécrable trompeur. C'est pas Napoléon III, c'est Napoléon Ier. Ah, j'ai pas dit III, je ne sais pas quel Napoléon, mais il a dit contre un Napoléon. Qu'est-ce qu'il fait avec ce souvenir? Rachid dans la Mishnah, dans Aïn Het, Amoud Bet. Note 24, note 14. Parle de la quantité minimale d'eau. Makom she'en pehamin torfi zahav be'esh shel suvin. Rabbi, je ne comprends pas. Ici, ils disent que le marshal, il est mohek ses milim de la Gemara. Il y a Braita Shagmara besamuch tchilat amud bet mevi'a kishura lema shehuva min ha-mishna le'el hasid kede la'asot pikur shel sorfe zahav re'a amud bet ha'ara alef
ולא לבבא הזו של המשנה. אני לא מבין. יעקב. כן, רבי. וואלה. Il dit Rashi, Tobin, pourquoi le son? Makom she'en pehamin, un endroit où il n'y a pas de charbon. Torfin zahav, on purifie l'or, be'esh shel Tobin, avec du feu qui est fait grâce, alimenté par le son. C'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. Ken, dans la Mishnah. Alors, Rashi, sur la Mishnah, il dit comme ça. Pourquoi je le souviens? Parce que des fois, il n'y a pas du tout de charbon. L'Otakumpa Amaïm Saram, pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas de charbon. Il n'y avait pas de charbon. Le charbon a été rationné avec des rations, avec des bombes. Et il fallait faire une queue pour avoir 2 ou 3 kilos de charbon. Qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils achetaient le son et ils faisaient des boules avec des pâtes, n'est-ce pas, qui séchaient. Et ça devenait à la place du charbon. Un combustible. C'est un combustible. Oui. Un combustible qui était très bien d'ailleurs. Mm-hmm. Très bien. Un combustible. Vous savez, il y avait un rav à Meknes. Il était en train de prier à Mida. Pendant la Amida, il se concentrait. Il entend un crieur public. Celui qui veut acheter du charbon n'a qu'à se présenter maintenant même sans bombe. Alors le pauvre, il a entendu pendant la prière. Il était tiraillé. Fallait-il quitter tout de suite et partir chercher? Alors, il était tiraillé, il pensait, à la fin, il a crié, en pleine prière. « Mahbna fakhar !» On ne veut pas. Il a continué sa prière. Et s'il n'avait pas fait cela, il aurait été tailladé chaque jour, chaque moment, par la pensée, il va rater une occasion d'avoir du charbon. C'est tellement important quand on rentre dans la pensée de la personne. C'est comme ça le Yetzer Hara. Pendant notre prière, on est en train de prier. Il dit Atahonantanu. En disant Atahonantanu comme ça, il vous a cassé tout le fil, toute la concentration. La botte. Otavshin ne le dit pas. Qu'ils ne le disent pas parce que des fois c'est l'autre qui dit Atahonantanu. L'autre aussi, il va dire Atahonantanu. Et entre-temps, nous, on a perdu la... Merci, monsieur Rabbin. Merci, Rabbi. Je vous vois Israël. Amen, amen. Amen. אריכות ימים, אריכות...